Non, je me suis déjà fait stalker par un étudiant. Je suis professeure à l'Alliance française de Calgary depuis quelques semaines. Madame Emma Blanchet. On ne se dit pas. Et encore une fois, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Tout se passe dans la tête. Faut pas l'oublier. J'ai travaillé dans plusieurs alliances françaises et j'ai déménagé à Calgary il y a quelques mois. Et donc, c'était la suite logique de travailler avec l'Alliance française de Calgary. Je viens de région parisienne. Alors moi, je viens du ghetto, donc pas grand-chose. Mais il y a quand même deux petites villes qui sont sympas. Pas très loin de chez moi, il y a Versailles, quand même une ville très jolie, bourgeoise, mais très jolie. J'ai jamais vraiment voulu vivre en France. Depuis que je suis partie de France il y a une dizaine d'années, j'ai jamais vraiment eu envie de rentrer, juste pour vivre ailleurs, je crois. Il y a beaucoup de choses que j'aime au Canada, les grands espaces, la montagne, enfin la nature en général. Et les gens, et la résidence permanente. 10 ans, à peu près 10 ans, je pense. J'aime bien transmettre des choses. J'aime aussi rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vrai qu'on rencontre quand même beaucoup de monde. Même quand on enseigne en ligne, il y a quand même ce côté très social, en fait, de la profession. Pas que je peux raconter, je pense. Bah si, il y a toujours l'anecdote du fait que le mot gosse en québécois et en français, ça n'a pas la même signification. Et c'est toujours quelque chose que je dis à mes étudiants. Vous voulez voir les miens? J'ai deux gosses magnifiques. Et donc, en général, ça amuse toujours tout le monde.